Alors que la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 approche à grands pas, le prince William, qui a fêté ses 41 ans ce mercredi 21 juin, a décidé de soutenir l'équipe d'Angleterre. Ce mardi 20 juin, le prince de Galles s'est en effet rendu à Saint-George Park, à Burton upon Trent, pour rencontrer les championnes d'Europe en titre. L'occasion pour l'époux de Kate Middleton de nommer la sélectionneuse, Sarina Wiegman, commandeur de l'Empire britannique pour la récompenser de sa victoire lors du dernier Euro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancienne joueuse semble avoir perdu ses moyens face à celui qui a déjà joué au gardien de but. J'ai été très impressionnée, a-t-elle déclaré à Sky Sport quelques secondes après cette rencontre. Je ne m'y attendais vraiment pas et j'ai été surprise. Je suis restée un peu sans voix, a-t-elle ajouté. Au cours de l'interview, Sarina Wiegman s'est également exprimée sur le prix qu'elle a reçu. Je suis très reconnaissante et honorée de recevoir cette distinction, mais ce qui compte, c'est l'équipe et nos performances. Sans l'équipe de joueurs et le personnel, on ne peut pas atteindre le plus haut niveau de performance, mais lorsque vous recevez cette grande distinction, c'est très, très spécial, a-t-elle indiqué, fière du chemin parcouru. Et d'ajouter, je suis très reconnaissante, honorée et privilégiée de travailler ici avec cette équipe et j'espère que nous pourrons continuer à le faire. En tout cas, le football produit par la sélectionneuse semble faire l'unanimité et a même séduit le prince William. La classe. Supérieure à prince William, ces années de playboy prince William, cette cicatrice à la jambe qu'il a à cause du football. Si le prince William a décidé de rencontrer les footballeuses anglaises, c'est aussi parce qu'il est un grand passionné de ballon rond. La preuve? Il avait joué au foot avec Jill Scott, une sportive professionnelle, lors d'un événement caritatif. Cela remonte à il y a environ 10 ans, lorsque nous avons participé à un événement caritatif, avait confié la joueuse lors d'une interview avec le Mirror, avant de révéler que le match ne s'était pas passé comme prévu, j'ai glissé et l'ai plaqué sur le côté, ce qui l'a éliminé. Résultat? Le père de Charlotte, George et Louis a conservé des traces de ce choc puisque Jill Scott avait assuré qu'il avait encore une cicatrice sur la jambe à cause du tacle. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit Photo, Agence. I think.